Alors, on est de retour ici. Donc, il y a beaucoup à faire. Honnêtement, on va plus ou moins travailler avec tout le monde. Ça va nous donner le plus d'expérience possible. Parce qu'en fait, on a merdé pas mal de choses déjà. God damn it. Now Days. Parce que le mec qui était là, qu'on a envoyé chier, là, qui était ici. Il peut nous donner un code de l'ordinateur et tout ça. On a merdé ça. Là, il devrait avoir des gens qui se battent. Aussi, mais on n'en a pas. Donc on va faire ce qu'il dit lui. Et après, on va voir un peu comment ça se passe. Alors quoi ça m'intéresse, ça se tient à déconstruire ce type. But if you can, sure. First, head to Pillory Square. You know, where the marshals leave folks to freeze. Mac's place is southeast of the human popsicles. Usually has a paperboy shouting nearby. Find a way to prove Mr. Brigo wasn't mixed up in this Dorsey business, and we can make a deal. Yeah? Ouais. Till next time. Mais on va pas faire le deal. On va pas faire ça. Par contre, je veux juste voir si le mec, on a autre chose à faire. Welcome back to Little Vegas, Rangers. Non, ok. Good luck. Ouais, on se casse. Ah, c'est pas fini, hein. On a encore beaucoup de choses à faire. Et apparemment, ouais, il y a le magasin là que j'ai pas vu. Il y a encore une partie en fait du Colorado Springs qu'on n'a pas vu. Enfin, il y a juste le magasin, je crois, qui nous reste. Où il faut trouver ce mec-là, là, dont il vient de parler. Ah, donc, ouais, on va juste tout faire. C'est un peu le bordel, ouais. On a un peu loupé la quête, plus ou moins. Hello, Rangers. This is Gideon Reyes. I'm addressing you from Broadmoor Heights. The Patriarch has made it known that you are in need of logistical support. I can happily make a few calls, speak to a few people. In exchange, I'd like to ask that you hear me out on a proposition. Qu'est-ce que c'est que ça? It's not a thing I really do, this ransoming of aid. But these are unusual circumstances, and Colorado Springs' future hangs in the metaphorical balance. I wouldn't be asking for such an exchange if I wasn't desperate. I'll be at the church in Broadmoor Heights. And I'll tell the marshals to let you through. Come find me here. Parler à Guinoré, ça va, ok, ça marche. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. You have to get someone here and stop this thumping. Well, it's not so much a thumping as a throbbing. Kind of like a rah, rah. Oh no, c'est ça. Toutes les armes sont chargées. Je crois qu'on va soigner d'abord. Alors il a 106. Hop, 132. Ah, c'est cool. Atelier d'usinage. Il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur. On va voir un peu comment ça se passe, les conversations, parce que ça va un peu dans tous les sens. Atelier d'usinage. Oh, look! This time the marshal sent substitutes to shake us down. Well, you stand-ins get one warning. Fuck off or get fucked up. Ok. Parler à Mac Travis, Mac Tavish. Yeah?
Well, McTavish doesn't want to talk to you. And you just used up your one warning. Fuck him up, boys. Okay. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Eh ben putain. Encore eux qu'on s'est soigné. Alors, ennemi à l'armure élevée. Ces enfoirés de l'atelier d'usinage ont une armure élevée. Les armes à faible pression ont du mal à la percer. Essayez d'utiliser des fusils de précision, des mitrailleuses lourdes ou des armes contendant des dégâts d'énergie, offrant le feu et explosion peuvent aussi complètement ignorer l'armure. Ok, toi tu m'as mis quoi? Empoisonnement. Ouais, mais je peux pas passer. Ah si. Yes. Ok, bien. Par contre, faudrait la... On va la cacher parce qu'elle est en train de crever. Le chien il va la fermer parce que c'est vraiment de fou. Sentinelle, on pourrait le cacher. Après Lucia, on va la mettre là. Là on a quoi? Un baril d'explosif. Il a combien d'armure? 6. Très bien. Requiert un télo niveau 5, merde. Ok. Je suis en train de réfléchir en fait, parce qu'il y a beaucoup de monde. Après, il y a ça. Mécanique niveau 5. Niveau 1, pardon. Ah non, on peut pas. Là, il pourrait faire ça, il pourrait désactiver le générateur, mais bon. C'est une tourelle lourde. Oh, on a tellement mal mis ici. Là, il y a 3 places. Brûler les deux. On brûle le chien aussi, c'est pas grave. Très bien. Un peu le pistolet. Fait un putain de dégâts de ouf. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des gros debuffs. Oh putain, que j'ai pas enlevé. Oh la vache. C'est vrai. Très bien. Ah,
Pas mal. Ça arrive de faire mal. Oh mon dieu, non, il va là-bas. Okay, c'est le chien qui mange surtout. Ah, pas le poulet, hein. Non. Cool. Bong. Non mais le poulet, qu'est-ce que tu fais? Le poulet il va attaquer ça. Aïe. 7 PA pour faire le générateur. Moi j'ai envie de le balancer, hein, l'envoyer le mec. Ce qu'on pourrait faire c'est Zeus le soigner, il aura plus d'HP. Back to the hunt. Hop, voilà, il a... Soit charmement thérapeutique, trousse de médical. Et on lui fait faire ça. Ça va désactiver la tourelle. Ou la détruire. Il a encore un point. Merde, mais c'est quoi ça? Oh, j'avais pas vu! Il a balancé un robot en fait! Oh. Ah, c'est chaud! Est-ce qu'on peut le détruire? T'as un PA, je peux t'en remettre d'autres. Comme ça, on le détruit au moins. C'est déjà ça. On essaye de bien faire les choses. Toi, tu moi celui-là. PA insuffisant. Oh, t'as été étourdi. Point d'action, moins 20. Ah ben putain. Ça marche. Okay. Elle va faire un peu plus de dégâts avec les explosifs, je crois. Ok, parfait, ils sont tous explosés. Il y en a un qui est mort. Très bien. 61%. Oh la vache, elle l'a tué. Je pensais pas qu'elle allait le toucher en fait. Zéro. Là, ils sont vénères. Alors là, t'as ça. Usé en combat ou en exploration. Tirer pour restaurer la constitution. Ouais. Pas mal, hein, c'est des petits tirs comme ça, c'est marrant. Bon, du coup, là, on peut pas vraiment lui faire des dégâts.
On est mal placé en fait. Ok, très bien. Putain, ça m'énerve parce qu'on est tous trop loin en fait. Ah, il va tirer sur les autres là. Ce serait débile qu'il tire pas sur sur eux en fait. Ah, quoique, non, ça va. Bon, bah, il va se faire tuer par les animaux. Parfait. On a un fusil automatique, un fusil d'entraîneur. Ok. Alors par contre, il nous faudrait, faudrait qu'on enlève ça là. C'est quoi? Soigner les blessures des personnes cibles, les petites blessures. Réanimer. Retire les hémorragies. Je crois que c'est ça, hein. Trousse de secours. Trousse de secours, un docteur. Ah, quoique, on peut peut-être jouer sans... On peut peut-être pour le moment encore continuer à jouer comme ça. Et après on va voir, on va se débrouiller après. Pour les armes, lui il va falloir qu'on augmente les fusils d'assaut. Arme de poing, arme automatique. Il est où le ça? Fusil d'assaut 8-9. De l'armée, ah, c'est celui-là qu'il nous faudrait 12-11-15. Après, on a quoi? Un fusil d'assaut, canon scié. Il est où le fusil? Fusil de précision, mitrailleuse lourde, lance-flamme, roquette, contendante. D'accord, ouais, non, mais c'est bien comme ça. Blastron de l'atelier d'usinage. Mécanique plus 1. Ok, c'est pas mal. Les autres, ils ont été soignés parce qu'ils ont monté de niveau, ça c'est bien. Ah oui, c'est vrai que même utiliser le solo là, ça lui donne de DHP en plus, c'est vraiment cool. Non, honnêtement, on est bien là avec, avec les soins, là, c'est bien sympa. Alors, fais voir ça, mécanique plus 1. Mécanique plus 1 serait bien pour lui, c'est ça? Mécanique. Alors, fais voir. Armure 2. Là, il va perdre 2 d'armure. Est-ce que c'est vraiment utile? Conseil d'arsenal déverrouillé. Pic de glace. Oh, pardon. Du coup, on a vraiment déverrouillé le pic de glace ou pas? Parce que c'est un bonus, en fait. Dit fléchette. Oh, on peut les balancer. Innovation des médecins de combat, micro-médecins de pharmacie pour soigner les alliés. Ouh, c'est cool ça. Ah, on l'a pas, je crois.
Trousse de secours, trousse de suture, trousse médicale. Je sais plus combien on en a. Je perds un peu le nombre, 7, 6. Non, ok, ça va. On se débrouille avec ce qu'on a. Ouais, non, ça sert peut-être à rien de lui mettre. Ouais, je préfère qu'on garde la défense au max. Par contre, elle. Plastron de l'atelier. Pantalon d'atelier. Fais voir si c'est joli ou pas. Ouais. Mécanique armure 2. Et on lui trouvera un autre casque. Bah enfin on pourrait lui mettre ça hein, mais bah, voilà quoi. Après on pourrait faire ça. J'ai envie de dire, dans un sens, on peut. Même si j'aime pas cacher les armures, là, on a quand même... hein, on a quand même une raison de cacher l'armure. Hein, parce que j'ai pas envie qu'elle se balade avec ça. Pas vraiment envie, en fait. Ah, bien. On passe à point d'action 3. Très bien. Alors, crochetage 5, très bien. Et après, là, on va lui donner, donc, avec les attaques du lance-flamme, elle aurait ça, mais elle, c'est pas vraiment lance-flamme. Requiert les explosifs, résistance au feu, résistance aux explosions. Ça peut être pas mal. Si vous utilisez une arme lourde, vous gagnez 0,5 en vitesse de combat au premier tour de combat. Mais pas vraiment utile. Ah oui, grâce au explosif 2, elle aurait de la résistance aux explosions et au feu. Vu qu'elle va au corps à corps. À la limite, c'est... Ah, c'est pas mal, en fait. Enfin, on n'augmente plus les explosifs avec elle. On préfère l'augmenter avec elle. Et encore, honnêtement, je sais pas si c'est vraiment utile. Ouais, non, c'est pratique quand même. Oh là là, c'est chiant, je sais jamais quoi faire. Ça rend fou en fait ce jeu. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir en explosion, elle ? La zone de votre lance-roquette est tirée en l'air. Les roquettes retombent et bombardent les zones en dessous. J'ai donc 100% de dégâts au tour suivant. Ouais. Gros impact. Rayon de déflagration. Justification d'armure. Tant que le personnel est présent, tous les membres de l'escouade gagnent plus 8 en armure. Oh la vache. Ah ouais. Bon, on va lui mettre ça. Ça lui lui permettra de vivre encore plus longtemps. Alors toi. On a 3 points. Quand on sera au QG, parce que ça va pas être maintenant, j'ai l'impression, hein. On est encore bien occupé. Je vais pas la soigner. Je pense que ça sera pas pour maintenant qu'on retournera au QG. Hein. Mais on ira. Je referai peut-être les personnages et réfléchirai un peu sur les habilités. Parce qu'on a un peu d'argent de côté. Donc à la limite, autant en profiter. Et refaire nos persos. Ou je sais pas, où on les refera encore un peu plus tard. Mais c'est un peu le bordel. Projetage impossible, interphone. Pété depuis des années, appuie sur la touche. Let me guess! Assass holds it short, my boys! Well, I'm not looking for a bullet in the face, so you can fuck right the hell off!
forcez pas à enfoncer cette porte. Ah, carrément. Ok, cool. Oui, can you? You're the ones who survived the dirty ambush. You killed Isaac Reed and his rich kid pals. You're bloody ruthless. Ah oui, on l'a tué, oui. Bollocks. I'm screwed. Ça va savoir long, si vous arrivez, vous allez nous rendre du piège. D'après vos informations, vous avez travaillé avec Dorsey. Vous avez 10 secondes pour me dire laisser Dorsey entrer en ville. Alors, d'après vos informations, vous avez travaillé avec Dorsey, je vais voir. What? Don't talk pish. I don't know what you're talking about, mate. Leave me alone. Don't you know, I'm under Farnbrago's protection. You can't touch me, pal. Sérieusement, donc si je vous tire dessus, Brigo va débarquer pour arrêter nos balles, j'aimerais voir ça. Si la protection de mon débarque ne serait pas nous toucher, nous fasse quoi? Et on est sous la protection du patriarche, je sais pas comment on va pas nous toucher. On va faire ça la première. Hein? Non, I mean, if you shoot me, and he's gonna... gonna... Je sais pas dans quel sens ça va aller en fait. C'est unfair, everybody shuts on me, everybody. Ok, ok. Looks like you got me at a disadvantage, so let's make a deal, eh? You push flaps drop me enough to skip tune, and I'll tell you what I can. 500? Non. Pas question, pas vous fait comme à vos gars. Après, on peut demander moins cher. Non, non, ça. God damn it, hell! I got too many holes in me. Cool. Ok, ça marche. Monkey desert trash. Okay, yeah. I let the Dorseys in the city, and I'm glad I did. Least I could do after the patriarch put me in the pillories. Asshole froze my bloody face off. I got a career worm and no should be. Of course I wanted some revenge. Wouldn't you? Non, à la vache que vous fumez, arrêtez d'être déchargé à vie. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que c'est que ce foutu accent? Je parle que vous avez plus de rhume qu'avant. Ah, the time! How did you know that? Wow, ok. Des pouvoirs psychiques. Poil de votre nez empêche de les germes d'entrer dans votre système. Vous n'avez pas de nez ni de poils, donc plus rien ne les arrête. Bloody hell, that's another thing the patriarch owes me for my health! Alors, c'est mérité pour défigurer à vie. I know, right? Non, non, on vous demande littéralement ce que vous avez fait pour m'étirer de perdre le nez et les oreilles. Oh, well, I was buying some wholesale medicine for Gadji when all of a sudden the marshal jumped out of nowhere and grabbed me. Say I'm buying me intent to sell or some shit. T'as son accent, c'est une horreur. Quoi. I try to tell him, I'm no selling it. I'm getting out of war with every purchase of an oil change at my shop, but the barbags can't see the difference. So they dragged me after the pillories. I mean, I busted for charity, I ask you. 99% sure those guys took my buy and sold it themselves too. Fucking marshals, they should stay on the inside of the law. Il parle anglais, hein, il parle anglais, hein. J'ai énormément de mal à comprendre, c'est horrible. Vous savez que les marshals sont corrompus, qu'est-ce que ça vous fout de cet accent? Là, vous vengez le patriarche, vous avez laissé les Dorsey piller la ville et tuer des dizaines de civils innocents. Peyo a quelque chose à voir avec l'attaque des Dorsey. What? No, no way. Why would they think that? Mr. Bragg would not do that, nothing. Ok, tu nous mens. Vous savez que les marchands sont corrompus. Évidemment que les marchands sont corrompus, ils travaillent avec le patriarche, non, c'est le pire de tous. Nous autres, les prolos, on est là pour faire tourner les machines. C'est aussi un escroc, mais il ne fait pas semblant de ne pas l'être, hein. Pas comme les autres. Qu'est-ce que c'est ce foutu accent? Écossais, ah d'accord. Okay. Scottish, on dirait que vous mâchez une chaussette. Ah, il me rend fou avec son accent. Il va me rendre malade et j'ai envie de lui mettre une balle à la tête. Alors vous vengez, patriarche, vous avez laissé Dorsey piller ville et tuer des dizaines de civils innocents. Je pensais qu'ils allaient juste tuer Buchanan. Très bien, nous vous avons assez entendu.
Rien, ça a déjà été assez dur pour vous. Partez, quittez la ville, vous pouvez partir. Mais avant, petite récompense pigée, arrêtez beaucoup. Soit de votre mort, vous serez mieux sous les verrous. Tuez, trop de gens sont morts à cause de vous. Non, on va le mettre en prison. Custody, you hears? Didn't I tell you what you want to know, you fucking lobbing a lot of same? Copy, November 1. This is Ranger HQ. Go ahead. On a retardé d'envoyer une équipe de rangers pour le ramener. On détiendra un dit au Marshall d'aller le chercher à l'atelier d'usinage. Dit au Marshall ou envoyer une équipe de rangers pour le ramener. Envoyer une équipe de rangers. Copy that team, November. A rest team from HQ is en route. Ok, parfait. J'ai l'impression de jouer à Metal Gear Solid, genre le 5, avec la Mother Base et tout ça. C'est marrant. Ok, très bien. Donc on a arrêté le mec. Mais du coup on le fait pas porter le chapeau, je crois. C'est un peu bizarre en fait où va la... l'histoire. On va voir ce qui se passe après au... Objet clé de mission, note pour... Okay. Là on a une disquette, là on a un livre de mécanicien. The name's MacTavish, and I'm from Glasgow way. Shit, that's not it. Lick me, Bobag. Sod. C'est quoi ce boy? Bon, on a tout pris. Ok. Ouais, j'hésite encore. Je sais plus si on peut refaire nos personnages, les nôtres, les resets ou pas. Je pense, je suis pas sûr. On verra ça. On a combien d'argent? 1500, ça va. November, come in. Oh, qu'est-ce qui se passe? Yeah, I got Ms. Wong, the manager at the Sands Lux Apartments on the line. And this one might actually be something. Oh, merde. She's got a tenant who might be making bombs in... Shush, shush, shush. Let me talk to them. You're leaving out important details. It's the weirdo in apartment 3. He's gonna kill us all. There's all kinds of loud banging coming from his room. And he's not alone. He's got friends in there. They're planning something. I know it. David Marshall s'entrevue dans leur juridiction. Allez, on y va. C'est pas loin. You will? Oh, come to the Sands Lux Apartments now. $150. Sorry, November. Ouais. What do you mean by sorry? Over and out, ça marche. Alors, les appartements. C'est où les appartements? Je m'en rappelle plus. Ça, je savais pas que ça allait arriver, par contre. Je crois que c'est à droite. Je crois que c'est ça. L'appartement luxe, c'est ça. Ouais, j'hésite encore. Parce que c'est vrai que le lance-roquette, on l'utilise jamais. Bah après, on n'a pas 50 milliards de roquettes aussi. Donc est-ce que c'est vraiment utile? Parce que c'est vrai qu'avec le sniper, elle fait déjà un très bon boulot. Et de tirer avec la roquette, il faudrait un peu plus s'avancer en fait. Donc à la limite, est-ce qu'on devrait pas mettre explosif sur Thunder, par exemple? Sur elle. Genre complètement explosif. Et elle, on lui met autre chose. Ça, on enlèvera ça quand on sera au QG. On peut vivre sans pour le moment. Bah oui, on y va. Du coup, on met notre quête sur le côté pour le moment. On va faire ça. Donc il faut aller à l'appartement 3 et voir ce qui se passe. Apparemment, il y aura un mec qui fait des bombes et il a des potes. Je suis sûr que c'est des conneries, mais on va voir.
I can't believe you came. Those goddamn marshals never come. They think I'm a pest. I'm vigilant, is what A-N-T. Anyhow, I hope you're ready for trouble, Rangers. Oh, come on, Rosie. I always came when you called, didn't I? You're with the Rangers now, Quan? Well, you were one of the better ones. I'm glad you're out of that marshal racket. Rien que le marshal pourrait marcher aussi. Quel est le problème? Guy in room 3. Irv. He's not supposed to have anybody else living there, but I hear voices in there all the time. They're always banging on stuff, and I can smell burning and bleach, and I don't vous jeter un œil. I can't. The shifty bastard's put his own locks on the door. That's how I know he's up to no good. Okay. Apartment room 3. End of the long hallway. The door's on the right. Okay, porte à droite, appartement. I know he's up to something. I just know it. Okay, Rosie. We got it. Tu m'en voudras pas si on va sauvegarder puis on va se balader un peu. Hein. On va se balader un peu dans les environs et voir ce qui se passe. On peut ouvrir ça ou pas? Putain, c'est quoi ces appartements? Get the fuck out of my apartment. Ouais, désolé. Appartement 1. Générateur. Ah, la mécanique c'est vachement utile. Ok, on a un poulet cyborg. Viens avec nous si tu veux vivre. Viens avec nous si tu veux vivre. Non mais sérieux quoi. Bon du coup on a deux poulets. On a deux poulets. Crochetage. Fusil d'assaut de niveau 5. Ah, c'est du tactique. Faudrait les ramener un jour, peut-être, les poulets. Ils sont full vie ou pas? Ok, et la vachette, là? Ok, pareil. N'importe quoi. C'est une basse-cour qu'on a, nous. C'est une putain de basse-cour, quoi. C'est fou, ce jeu. Alors, là, on a armure 7. 9, 8, ok. On a ça, arme automatique de 8 à 10, c'est un fusil d'assaut, mais on a mieux. Après là, on a jambière tactique. Armure 4, armure 1. Ok, là on a l'équipement tactique entier, ah, plus le casque. Ok. Donc ça c'est tout du tactique. Donc c'est ça l'équipement tactique en entier. Ça marche. Et toi on va te mettre... Enfin quoi qu'on n'a pas besoin, on a pénétration 2. Mécanique plus 1, oui ce sera intéressant mais bon. Enfin on perd beaucoup en fait. Et le chat, tu... Casse-toi. Là, on a quoi, là? Oh, putain, il y a des chats partout, quoi. Une cassette. L'autre il est bloqué. Ah ça y est. Il me manque un poulet. Ah non. C'est
c'est bon. Faut pas perdre les deux poulets. J'ai peur qu'on les perde en fait, les poulets. Faudrait peut-être retourner au QG. Appartement 6. Bonjour. Meet space demons intercepted. Display rendered objects and assigned to translation vectors. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Redundant variable detection grid populated by live stream data. D'accord. Merci. Alert. Do not delete local references to object. If memory allocation is null, then unhandled exception occurs. Got custom C-node ref counting in favor of pointers. Alors, boîte mystérieuse, ouvrez-la. Affaire mystérieuse. Cette simple mallette vibre d'un faible bourdonnement. Il y a un loquet métallique encastré dans le dessus. Ouvrir la mallette. Mette émet un petit bip alors que vous tirez sur le loquet. Ça ressemble presque à l'étonnement d'une erreur d'un ordinateur. Continuez à ouvrir la mallette. Bougez au-dessus de 31. Faible bourdonnement s'interrompt alors que le loquet émet un bruit. Cette mallette s'ouvre à l'intérieur et de coup le circuit imprimé est présent privé d'électricité. Plusieurs objets électroniques se trouvent à l'intérieur. Vous récupérez et jetez la mallette. Drop custom C-node ref counting in favor of pointers. Fallait la garder la mallette. On va peut-être pas l'ouvrir la mallette. Parce que c'est pas vraiment des choses qu'on a besoin de la ferraille, genre 31 de ferraille. Genre, est-ce qu'on peut récupérer des composants électriques de l'intérieur? C'est peut-être mieux. Compliqué tout ça. Hein. Space demons intercepted. Display rendered objects and assigned to translation vectors. Redundant variable detection grid populated by live stream data. Je sais pas ce qu'il dit. Do not delete local references to object. On dirait qu'il vous avertit de ne pas ouvrir ou jeter la mallette sous peine de subir de graves conséquences. Autant de ces ok, ça marche, on va la garder. Return null. Ça marche. Bon, on garde la mallette. Ils sont bizarres les gens ici. Appartement 5. Poupée incroyablement réaliste. Tout le monde a besoin d'un peu d'amour, même cette chose. Je crois qu'on peut faire un sex doll. Une sex doll, je sais pas. Objet mystère, disquette, objet mystère, ballon de football. Ouais, je crois qu'on peut faire... ouais, une poupée. D'accord, c'est cool. C'est cool. Porte, appartement 3. Oh, un grippin. Ah, le coup du grippin, ça aussi ça me rend fou de pas pouvoir, parce que c'est un truc qui sert juste pour les grippins en fait. Il y a pas de comment dire, de deuxième effet, rien du tout quoi. Donc c'est vraiment des trucs inutiles si vous avez pas de grippin à faire. Bon, c'est bien qu'on ait crocheté à niveau 3. Thank you so much. What the fuck. Non mais attends, il y a l'autre qui a couru comme un débile dans le piège, alors que je pouvais le désamorcer. On va y aller solo. Thank you so much. You have been the most gracious of hosts. Ok, très bien. What's my one? Three, five,
7, 11, 11, 11, 11. Clondry. I can see my own cells. Clone d'herbe. I am a human, just like you. I swivis cuff schmidlu to. C'est ouf ça. Can you see me? Do I exist? These molides do not compute. Eureka, the secret at last. I am a human, just like you. I swivis cuff schmidlu. Je suis en train de me dire que la tourelle elle va nous défoncer en fait. Ah, j'aurais pu peut-être la pirater. C'est pas grave. Maintenant, c'est fait. Merde, c'est un réservoir d'azote, putain. Ah, attends, c'est des robots ou c'est des... Pas du ça aveuglement. Non, c'est pas des robots. Par contre, t'as vu la gueule des mecs, quoi. Putain, ils ont beaucoup de vie, hein. On est dans la merde. On va voir ce que ça donne. Carré, qu'est-ce que c'est que ça? I am a human, just like you. I swivis cuff schmidlu to. Ok, ils nous ont réduits. Oh la vache! Ok, là je crois que... Non mais ça va pas le faire là, les dégâts là, ils sont trop gros. Ah mais ça ignore l'armure. Non mais on va pas pouvoir les tuer. Hein. Fait rien quoi. On est miniature quoi, c'est énorme. On va voir le prochain tour, sinon je recharge la partie. Parce que là, je vois pas trop comment... Parce que ouais, ça ignore complètement nos armures en fait, donc je peux rien faire. Genre ils font la moitié de ma vie quand je tire. Quand ils me tirent dessus, pardon.
un junk est mort. Et en plus, ils peuvent se soigner. Aïe, aïe, aïe. Voilà, one shot. Bon, après, elle était pas full vie. Ah, lui mort aussi, mort. Ouais, d'accord, ok. C'est bon. Ok, il va falloir trouver une autre façon de les tuer. Ils ont des armes à énergie qui passent à travers les trucs, les armures. Là, c'est débile. You have been the most gracious of hosts. Must never know. No one must ever tell them. Gone the cold again, home again. I am a human. Ok, donc ça, ça les active. Qu'est-ce que je fasse là? On utilise la tourelle pour leur tirer dessus? Genre je pirate la tourelle? Top of the world, ma! I am a human, just like you. I swivish cuff schmiddle to. Home again, juggity juggity jug. Attention, on active ça, les trucs en même temps. Merde. Je sais pas quoi faire. Je sais pas du... C'est une quête de niveau combien, ça? Comment tu veux que je le tue? Je les tue, moi. Bah après, c'est pas des bombes, hein. Ça va. Enquête de voisinage. Depuis quelque temps, j'ai eu un drôle de bruit. The square of the hippopotamus is three times the... They must never know. No one must ever tell them. Bon, on a un... C'est du clonage. What's the matter? Why haven't you kicked down that door? Voilà. Comment... On va tester un truc en faisant une sauvegarde. Oh là, je vois pas comment. Je vois pas comment le faire en fait. Ceux-là, ils font trop mal. On va les faire venir dans le couloir. What's my name? Why don't you tell me my name? Home again, home again. Juggity, juggity, jug. Thank you so much. You have been the most gracious of hosts. The world is ours, Josephine. The square of the hippopotamus is three times the length of its eye. Oui, ferme ta bouche. I am a human just like you. Never know. No one must ever tell them. Home again, juggity juggity jug. Je voudrais faire péter ça quand ils sont tous les deux à côté. They must never know. No one must ever tell them. Qu'est-ce que je fasse? The square of the hippopotamus is three times the length of its eye. I am a human just like you. I swivish cuff schmiddle to 1, 3, 5, 7, 11, 11, and 11. Striking first gives you the square of the hippopotamus is three times the length of its eye. Très bien.
Elle était trop loin. Oh putain, on peut pas se mettre là quoi. Oh l'arnaque. Putain d'arnaque quoi. Non, mais c'est même pas une protection ici. Cool, bien. Alors qu'il a été gelé. Bien, 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 bien. Jamais on arrivera à les tuer en fait. Je teste, je vais faire bourrin, on va voir ce que ça donne. Alors, on va pas une attaque très rapide qui coûte que 1 AP, ça va être une pression en moins. Arme endommagée. Pas mal. On peut rajouter encore plus. Non, on va faire ça. Armure détruite. Je vais essayer de réanimer l'autre. Je pense que c'est con, mais bon. Je sais même pas combien de temps ça dure. 3 tours, esquive, plus 15% par contre. Ah, ok. Combien de dégâts il va prendre? 66 avec le saignement. C'est... ça va être... d'accord, elle est morte. Qu'est-ce que tu... J'ai pas dit de faire ça. Faut arrêter, puis merde.
s'avancer. Ça déclenche une affaire avec machin. Ces 3 PA d'ajout de frappe uniquement rempli, infligé 100% de dégâts ici au marquage. Arme endommagée, très bien. Saignement. Parfait. Ça c'est 2 PA, on va le mettre en défense. Aveuglement. Je sais pas ce que ça va donner. On va sûrement avoir 2 morts là. Putain, les dégâts, 60 de dégâts quoi. Ah, ils prennent cher hein, quand il y a du saignement et du feu. Hein. Ah, je peux pas soigner l'autre qui est en dessous. On peut se les faire à la limite, j'ai envie de dire. Mais ah, c'est compliqué quoi. Ah, super. C'est compliqué, je vois pas trop comment en fait bien les faire. Non mais là ils ont trop de soins en fait. Faut vraiment les brûler aussi. Si on arrive à tuer ces deux là, peut-être que ça passe.
Personne a touché. Non mais ils ont plein d'hypo en fait. Oui, oui, oui. Faudrait un peu de chance en fait, mais le problème c'est l'emplacement pour combattre, il est horrible. Et je vois pas vraiment quoi faire d'autre. Si on touche l'ordinateur, ça les énerve. Il y a rien d'autre, machine à clonage là. Le générateur, bon, on peut désactiver la machine. C'est pas un problème. Il y a rien à faire en fait. Je voudrais bien en tuer un au moins. Qu'on voit un peu ce qui se passe. Mais on va pas y arriver. Bon. Après ça, je vais faire une pause et... Ouais, non, mais ils ont toujours des soins, ça fait 3 fois, je crois, ou 4 fois. Ah, il y a un truc à faire parce que c'est pas possible de... C'est pas possible de jouer comme ça là. Regarde-moi ça, 167 de vie. Il est mort l'autre? Ah non, il est là. Là, il fait que soin sur soin. C'est un truc de fou. On va leur mettre le saignement, le feu en même temps, dès le début. Et on focus l'un après l'autre. Mais là, je vois pas vraiment quoi faire. Moi, je vais faire une pause, je vais un peu peut-être me renseigner en fait sur ce combat. Parce que je vois pas trop ce qu'on peut faire, à part pirater la machine. Genre... Eureka, the secret at last. Ça c'est que en combat. Non, je vois pas ce qu'on peut faire. I can see my own self. Après là, je peux passer par là, il y aura rien à faire. What's my name? Why don't you tell me my name? Je voudrais bien savoir pourquoi il y a ça là. Si on peut les activer. C'est devenu bleu. Aucune idée. Aucune idée. À moins de les faire venir vraiment tout le long. Ou alors se mettre quelque part, mais... En plus, on ne peut même pas se protéger ici. J'ai pas d'idée pour le moment. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, je vais faire une pause et je vais un peu me renseigner sur ce combat bizarre. Je reviens. Donc, nous sommes repartis. Donc... ça va faire quoi? Deuxième fois qu'on regarde un peu comment on pourrait faire les choses. Alors, on va prendre elle, parce que je crois que c'est elle qui est la plus discrète. Je crois que les animaux se font pas voir, on est d'accord. Mais elle, elle a... on lui avait mis...
Ordure sournoise, donc elle a temps de détection plus. Ouais, voilà, elle met plus longtemps à se faire. Ah là là. Plus longtemps à se faire voir, donc on va l'utiliser elle. Alors je suis quasiment certain qu'on s'était fait voir quand on a touché un ordinateur, mais apparemment c'était peut-être une erreur. On va voir. Mais bon. En fait, on peut faire plusieurs choses. Donc, j'ai un peu regardé tout ça. Donc, il y a des ordinateurs à checker et tout ça. Oh mon dieu, fermez. Fermez vos gueules. Donc, on va regarder ça un peu. Mais je suis quasiment sûr. Genre, ça, pourquoi? On va se recharger. Genre, pourquoi ça fait ça pour moi? Parce que j'ai vu une vidéo, ça fait pas ça. Ça fait pas du tout ça. Le mec pouvait aller sur l'ordinateur et tout ça. Donc, c'est parce qu'on a un animal avec. Je sais pas, on va prendre lui du coup. Oh, merde, tout le monde qui est là. C'est un peu étrange en fait. Ah, lui il a les poulets, ah super, oh, putain. Sunday, 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 nitro burning funny cars. What's my name? Why don't you tell me my name? Top equators! Non, là on se fait voir. C'est bizarre, c'est très très étrange, comme si que moi. Je pouvais pas analyser les choses, même si je suis pas dans le cercle en fait. Ou alors c'est moi qui fais quelque chose de pas bon. Mais bon, en tout cas la personne pouvait se merde, on est tous. Pouvait se balader assez facilement. En fait, entre les clones. Sans vraiment se faire voir, donc je comprends pas. Bon, on va pas toucher ça. What? Non, c'est quand je vais là, je me fais voir. C'est très bizarre. On dirait que moi c'est buggé limite, j'ai envie de dire. Je vais être honnête, hein, on dirait que moi c'est buggé. Alors pour vous expliquer en fait. Hop, voilà, tout seul. J'ai vu la personne en fait aller là. Genre les trucs approchent. Mais tant qu'on n'est pas dans le cercle en fait ça va. Même si on est dans le cercle, on a le temps de sortir en fait. Vous voyez ? Oui, on a le temps. On a vraiment le temps de s'enfuir et tout ça, il n'y a pas vraiment de problème. Mais quand, j'avance là, c'est, je me fais voir directement. Ah, quoi que non. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe pour mon jeu en fait. Et là, le mec passait par là en fait, pour atteindre ça. Non, regarde. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre moi je peux pas y aller. Genre moi c'est interdit apparemment. Bah. Je clique sur le sol, on est d'accord. Donc ouais, il y a un truc étrange. Alors après j'ai vu des gens les combattre, donc en fait ils font comme ce qu'on a fait, hein, comme ce que j'ai découvert avec le... avec le sang et le feu en fait, parce que ça leur fait extrêmement mal. Donc en gros c'est comme ça que les gens le tuent. Après est-ce qu'il y aurait des pièges là? Donc ouais, donc on peut le faire avec du saignement et du feu. Mais le problème bon, c'est que ça va peut-être nous prendre quelques essais en fait. Je peux passer directement? Ouais, on peut faire ça à la limite. C'est très bizarre. Cet endroit, on dirait qu'il est buggé pour moi. Là. C'est pas normal. C'est pas du tout normal en fait ce qui se passe avec moi. C'est pour ça que j'ai pas voulu en fait aller plus loin. Parce que je suis quasiment sûr, si vous regardez la. Oui, je suis à 100% certain. Qu'on l'a déjà vu, que je suis déjà passé par là et ça avait déclenché le combat. Et après ça, en fait, j'ai plus essayé d'avancer. C'est là que j'ai commencé à combattre en fait. Mais ouais, c'est très très bizarre cet endroit. Enfin bref, on peut faire ça. Alors, machine ressemble à un sarcophage de verre sale, relié à un fatras improvisé de générateur, l'ordinateur, le genre de tuyau, l'appareil, évidemment, à la pointe de la biotechnologie, même si un peu chaotique.
dans le coin, une vidéo pixelisée montre les sarcophages de verre qui ouvrent et ces hommes identiques et sortent. Ils incluent des pièces telles que les fous furieux. L'écran du dispositif de clonage affiche quelques indicateurs et un curseur clignote. Donc il nous faudrait science étrange. Personne à science étrange, on est d'accord. Eureka, the secret at last. Non, il y a truc d'intello. Personne à science étrange en fait. Do you like the things that... Personne à science étrange. Je suis en train de me dire. Annuler les modifications. Voulez-vous vraiment annuler toutes les modifications en attente? Quelles modifications en attente? Genre ça, oui, mais je les ai pas mis le temps. Like oui, non, ça fait rien du coup. Je voulais d'abord voir. Je vais peut-être refaire les personnages maintenant. Ok, je vais peut-être refaire mes personnages. Ces deux-là, ça va faire 400. On a 1500. Ça ferait 400 de... Ah, oh, fait chier, ça fait cher. Ou alors, on va essayer de récupérer d'autres personnages au QG. So, il nous faudrait... Alors, j'ai vu après, je me suis un peu spoilé du coup avec ça. Il faut genre un télo et après, il faut... Oh putain, désolé, j'essaye de parler en même temps que les autres parlent, ça me rend fou. Il faut truc d'un télo et après, il faut science étrange du coup. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des armes science étranges et je voulais les utiliser. Ouais, genre par exemple ça. Ça, et on a un truc à plasma, je crois. Voilà, genre ça. Donc ouais, lui, je voudrais bien lui mettre un télo et science étrange, en fait. Ça peut être intéressant. Si je passe comme ça avec les deux. Ouais, non, les deux, ça fait trop. Ça marche. Donc ce qu'on va faire, bah du coup, je vais rentrer au QG. Parce que ça fait un petit moment que je dis que je veux refaire mes persos, de toute façon. On va peut-être rentrer au QG maintenant. Je vais sûrement couper le passage où je rentre et tout ça. Et on va voir un peu les nouveaux persos en fait qu'on a disponibles. Parce qu'on a deux recrues qu'on devrait avoir. On a le jeune qu'on a sauvé, ça fait un. Et on a la femme qui vient nous prêter main forte aussi. Donc ça fait deux rangers un peu spéciaux. Donc je veux voir un peu ce qu'ils ont comme skill. J'imagine que le jeune, vu que c'est un voleur à la base, son histoire. J'imagine que... attendez, est-ce qu'on peut directement QG des rangers? Parfait. J'imagine que on peut... Il va sûrement avoir crochetage, donc on n'aurait pas besoin de crochetage à la limite, à mettre sur nos persos à nous. Et après... bah la nouvelle, faut voir ce qu'elle fait, tout simplement. Faut absolument voir ce qu'elle fait. Moi du coup j'ai peut-être pas besoin de couper la vidéo en fait, parce qu'on est, on est vraiment à côté. Ouais, non, on est vraiment à côté en fait. Puis on a les poulets aussi à rendre. Voir ce que ça fait. Mais ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Gestion de l'escouade. Maintenant que vous avez un groupe complet, il se peut que vous vouliez virer quelqu'un pour faire de la place. Pour gérer votre équipe, recruter un nouveau ranger, discuter avec le sergent Grixky. Ok, c'est quoi ça? Note mal rédigée. Les feuilles pliées dans une enveloppe, elle contient beaucoup de mots barrés et en majuscules. Costume de chevalier fait maison. Sorcier fait maison. Alors, fabriqué avant le début du feu. Ok, ça dit quoi? Apparence, vous avez trouvé les vêtements, allez dans mes réserves. Ok, mais c'est qui les envoie? Est-ce qu'il faudrait. Genre lire ça? Est-ce qu'on peut la lire? Yeah, ok, on peut. Nous avons trouvé des caisses maléfiques dans les ruines du centre de convention de Denver. Il est écrit dessus, dimension 2, concours de costume 80. Nous ignorons ce que cela signifie, mais il s'agit clairement des accoutumements du culte maléfique que nous espérons en tant que véritables héros.
du bien et de la vérité du Colorado. Vous enquêterez sur leurs origines et éradiquer leurs propriétaires sur la surface de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Ça nous donne une quête ou c'est juste un truc secondaire qu'on va devoir aller voir? Attends, d'abord, les poulets, on va voir ce que ça donne. Ah, ça, ils ont disparu. Ça y est, ils sont là. Je crois que maintenant ils restent. Ouais. Poulet cyborg. Bah du coup, ils sont contents ou pas? Est-ce que je fais une plaque métallique entre eux? Le poulet démonte un fusil abandonné là par quelqu'un, d'accord. Le poulet, ces poulets ont l'air de s'adonner à des exercices de musculation collective. N'importe quoi. Ok, très bien. Bon voilà, déjà on a ramené les poulets. Je sais pas si vraiment ça va aider à quelque chose. Bon, on les a plus maintenant en combat, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. Alors, je voudrais aller voir d'abord le soin, comme ça on se soigne. Parce qu'on a des buffs à enlever. What do you need, Rangers? Besoin de soin. That's what you pay. Have a seat. Très bien. Très bien, on va aller voir à la prison. Ah mais ils ont tout nettoyé. The food you're feeding us is gonna cause a mutiny. I'd hire a cook if I was you. Rangers. Ok. Ah ouais non, ça commence à être super stylé maintenant. Cool, ça fait vraiment QG, ça. Ouais, ça fait vraiment QG. Je suis content. Ah, elle est là. Hop. Ouais, j'avoue. Comment se portent les prisonniers? I wanted to talk about the prisoner you found when you first got here. Ouais, lui. The one who survived by eating fungus and bugs. Okay. I know you decided to keep him locked up, and I'm not saying you were wrong. It's just, do we know he's broken any laws? And even if he has, it seems he's been imprisoned here for years. Has he not served his time? I know he's a little unsettling to talk to, but is that reason enough to deny him his liberty? Don't worry, I'm not gonna let him out without your say-so. Just wanted to say my piece. Quand on a notre premier choix, il reste dans la cage. Good luck out there. Pour le moment, il va rester là, parce que je... On ne connaît pas, il est bizarre. Ah, ils ont installé des lits et tout. Ouais, il est chelou, donc pour le moment, il reste là. J'ai pas envie d'avoir ça sur genre à l'arrière de ma tête en me disant que il va peut-être bouffer les gens ou un truc comme ça. Pour le moment. Okay. Très bien. Là, pour le moment, ça a pas été déblayé, ok. Il faudra peut-être plus de gens pour ici. Après, on a le garage. Bon, le garage, c'est nickel. Ah, le garage, on a des trucs à mettre sur la voiture. C'est quoi ça? Pourquoi il y a du rouge? Ah oui, le soin, ok. Ça. Alors, équipement. Utilitaire. C'est cool. Apparence. Alors, capot. Ah, putain, mais c'est tout petit, en fait. Tout petit. Crâne de loup ou le discobot? Moi, j'aime bien le discobot.
Putain, je pensais que ça allait changer un gros truc, quoi, mais en fait, non. Ouais, il faudrait changer le châssis et tout, pour que ça soit plus gros, j'imagine. Alors, fais voir un peu, fais-nous rêver. Been seeing a chicken around here. I was gonna have it for dinner, then I saw it had wires sticking out of it. Ouais, faut pas les manger cela. Now, what can I help you with? Vraiment, parler de votre passé, rendre actif. Sure thing. Let's have a look. Genre réentraîner. Je vois réentraîner, ça fait quoi? Ouais, c'est tout en 200 quoi. Est-ce qu'on peut? Ouais, on peut réentraîner nos persos aussi. Ok, c'est parfait. Et c'est tout le temps 200, on est d'accord. Okay. Alors, est-ce que je devrais enlever leur équipement? Je pense que... Je devrais enlever leur équipement. Voir un peu. Merde! Quel con. Pourquoi mettre... Pourquoi on ne veut pas avoir les mêmes... Enfin, bref, c'est parce que, voilà. Je pensais qu'il y avait écrit déséquipé, mais en fait, non, c'est utilisé sur soi. C'est bien. C'est bien. Si on fait ça, ça va plus vite. Il n'y a pas d'erreur, au moins. Après, j'imagine que l'équipement, de toute façon, il n'est pas perdu. Hein, c'est eux qui l'ont à chaque fois. Je pourrais, honnêtement, j'aimerais bien vider même le chargeur. On va pas exagérer quand même. Oh, tais-toi, le boss. Rangers, good to see you. Sure thing. Let's have a look. Hey, you two, you can't fight here. This is the war room. Qu'est-ce qu'il y a? There you go. Anything else? I'll be here. Qu'est-ce que... Pourquoi c'est rouge? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. C'est très bizarre. Ah ça, ils restent là, ça va, on peut leur parler. Wouldn't hurt to see if we can get the garage up. You look like you can use an extra gun. Bon, let me know if I can be of some assistance. OK. OK, on peut leur directement leur demander de rejoindre l'équipe. Alors, on va voir un peu people ce que are talking about how you cleared those Dorseys out of the garden. You're doing God's work here, Rangers. On a tué tout. Sure thing. Let's on est bon à tuer. Ok, donc compagnon, nouvelle recrue. On peut voir que 4 rangers. Action. Ok. Ah oui, d'accord, il faudrait. Attends, on va voir ça. Voilà. Et là, j'aurai d'autres personnages. Et après, je pourrai en personnaliser un. Ok, donc Thunder sélection. There you go. Anything else? I'll be here. Alors, attends. Il est où le voleur, du coup? Là, ça m'aide pas si les mecs se baladent. The refugees are just people, like anyone else who would ask the rangers for help. Si vous faites, parlez-moi de votre équipement. Anytime. Ouais, non, mais. Et l'autre, elle a dit qu'elle viendrait nous aider, donc bon, elle nous vient, elle vient, elle fait la prison maintenant. Mais du coup, est-ce que. Est-ce qu'on peut, elle peut venir avec nous sur le terrain ou pas? Alors, j'ai peut-être mal compris en fait. Moi j'avais compris qu'elle pouvait venir sur le terrain avec what nous. Can I do for you? Good luck out there. Ah d'accord, ok. Bon, j'ai peut-être mal compris. Par contre, ouais, il est où notre petit voleur là? Comment on trouve un mec qui se balade, qui peut être n'importe où? Vous m'expliquez? Oh, c'est quoi ça? Stay sharp. Creusable.
soldat. Stay sharp. Casier, j'avais pas vu. Tired of gridlock? Sick of dodging reckless drivers? Fed up with paying a fortune to shady mechanics that never actually fix your car? Consolidated Atomics has the answer. Introducing Hermes, the revolutionary vehicle AI that's an expert driver, navigator, and auto mechanic all in one. Hermes remembers your daily commute, gathering up-to-the-minute traffic reports to plot the quickest route to your destination. The AI also takes care of basic maintenance, keeping your vehicle in peak condition. Visit your local dealership for information on a Hermes upgrade kit today. Consolidated Atomics, 21st century solutions for the problems of today. Okay. Ben, je suis perdu. Je vois pas où est. Si t'arrives, toi. Stay sharp. Good luck out there. Ouais. Ben, je sais pas vraiment. Je vois pas où il peut être notre voleur. Là. Ben, du coup, on est bloqué avec ces deux personnes. Avec les deux compagnons quoi. Stay sharp. Je suis pas débile quand même. Ben, si mais. Here to serve. Rangers. Rangers. C'est que des soldats. Ça. Rangers. Rangers. Good to see you. Anytime, Rangers. Always happy to tell war stories. Happy to. What's sure thing? Let's have a look. Ouais, je sais pas. On sait pas. Après, il faudrait faire ça. Ça, ça serait des recrues. Donc, non, là, y a pas le. Professeur. Il n'y a pas le mec. Butterfly Crash. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Ouais, ils sont tous niveau 6, ça c'est bien ça. Et là, si on crée quelqu'un. Ah ouais, non mais. Ah, mais à chaque fois c'est 200? Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas. Ah, et c'est pas gratuit en plus. Je me rappelle pas qu'on avait. Qu'on avait payé. There you go. Anything else? I'll be here. Bon bah du coup on est reparti. Vous savez quoi? Je vais faire une petite pause. Enfin, je vais couper la vidéo. Je vais rééquiper les gens et on va refaire le tour et je sais pas trop quoi faire. Je vais peut-être un peu réfléchir à refaire les personnages. Je vais voir ce que je fais. On va faire une pause pour les. Pour refaire l'équipe là. Pour qu'on soit un peu plus efficace. Ok? Alors on va faire ça, allez. Je reviens.